Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'œuvre d'un réalisateur majeur de l'animation russe. Il n'est pour l'instant pas très connu en France, mais possède une grande notoriété dans l'univers de l'animation depuis les années 70. Il s'agit de Yuri Norstein, et son œuvre tient en moins de 2 heures de pellicule. Yuri Norstein est né en 1941 en Ukraine. À ses 18 ans, il entame un cycle de 2 ans d'études de peintre animateur à la Soyoumout Film, l'un des plus grands studios d'animation de Russie. Il commencera à y travailler à la fin de son cursus. D'abord intéressé par la peinture, il décide de continuer son activité dans l'animation après la lecture de livres d'Eisenstein, qui portait dans ses films une attention particulière au montage et au mouvement. Durant ses années à la Soyoumout Film, Norstein secondera plusieurs réalisateurs de l'époque, et notamment Ivan Ivanov Vano, un autre grand réalisateur russe, pour son film Les Saisons en 1969. L'esthétique choisie par Ivanov Vano sur ce film, et à laquelle Norstein a dû contribuer, inspirera probablement le réalisateur à ses débuts. Ivanov Vano secondera celui-ci quand il entreprendra son 2e court-métrage, La bataille de Kerjnets. Dans ce film, le mouvement des chevaux et de plusieurs personnages est comparable à ceux des personnages de Les Saisons. On peut presque dire que le travail fourni auprès d'Ivanov Vano, ainsi qu'auprès d'autres réalisateurs du studio, lui aura permis de trouver sa propre façon d'animer ses personnages et son univers. Très vite, Norstein cherche à sortir du cadre de production des grands studios. Pour ses courts-métrages, 3 personnes suffisent en général, et c'est même sa femme, Francesca Yarbousova, qui confectionne ses personnages. Si ses 2 premiers films sont marqués par l'influence d'Eisenstein, notamment en ce qui concerne le montage rapide et le dynamisme particulier des mouvements, l'esthétique de Norstein évoluera vers un rythme plus lent, où peut se déployer une plus grande subtilité dans l'animation de ses personnages. Pour l'aspect technique, Norstein utilise la technique du papier découpé, qui consiste à assembler des morceaux de papier divers pour fabriquer des personnages et des paysages. Le réalisateur utilise aussi la multiplane, mise au point par Disney, qui avait permis d'agrandir la profondeur du dessin animé. Si pour Disney la multiplane était un moyen d'aboutissement technique, elle devient, chez Norstein, la possibilité d'un aboutissement esthétique. Ce qui saute aux yeux, dans son œuvre, c'est autant le mouvement que la composition des plans. Norstein se sert de toutes les couches possibles de superposition pour densifier l'espace, ce qui donne parfois l'impression d'être devant un tableau en mouvement. Dans un premier temps, il construit son espace suivant le modèle des 2 dimensions. 2 des 3 courts-métrages faits dans ces années-là s'inspirent d'ailleurs de la représentation médiévale, où la perspective n'était pas employée. Par exemple, dans La Renarde et le Lièvre, les portes ne s'ouvrent pas, les personnages les traversent et l'espace est constitué de tapisseries mises bout à bout. On pourrait parler de hors-cadre plus que de hors-champ. C'est à partir du héron et de la cigogne et d'une utilisation particulière de la multiplane que ces espaces deviennent palpables. Le soin porté à l'environnement sonore augmente son réalisme. On peut parler de tissu de son à pénétrer. Il n'y a pas un centre vers lequel tout tendrait. Chaque partie du décor et chaque personnage est son propre centre. Ce qui fait des films de Norstein des œuvres que l'on pourrait apparenter au mouvement impressionniste. En ce qui concerne les personnages, ils s'approchent plus d'une esquisse que d'un dessin finalisé. Une distance est prise vis-à-vis d'eux. L'émotion transparaît surtout dans leurs mouvements. Pour les créer, Norstein dit d'abord les dessiner en petits modèles, puis les agrandir pour voir les imperfections du dessin. Ce léger décalage du trait serait une correction inconsciente, qui donne sa particularité au personnage, lui permet de se révéler lui-même. Ils ne doivent pas avoir une apparence trop expressive, qui pourrait les limiter, empêcher leur possibilité d'extension.
Le but du réalisateur serait de retrouver cette petite parcelle d'inconscient qui est perdue dans le conscient. Il laisse ainsi une grande place au hasard dans la conception de ses films, susceptible de relancer le mouvement de la création, qui se figerait si elle suivait un chemin préétabli. En laissant cette place à ce qu'il n'avait pas prévu, Nordstein se donne la possibilité de dire plus que ce qu'il n'aurait pu imaginer. On peut faire un parallèle entre cette recherche et son film Le hérisson dans le brouillard. Si le personnage qui doit rejoindre son ami l'ours choisit consciemment le chemin recouvert d'une épaisse brume, c'est peut-être dans le but d'apprendre quelque chose d'elle. Au lieu de prendre une route détournée où tout serait visible, il emprunte un chemin de brume qui devient un embrayeur scénaristique, mais aussi un lieu d'initiation, de découverte de forces cachées ou d'émotions inconnues. Le personnage et son créateur ont tous deux à affronter cette terre étrangère pour continuer sa route. Celle de la maison de son ami pour le hérisson et celle qui lui permettra de terminer son œuvre pour le réalisateur. Le thème qui semble se cacher derrière ses errances, et qui est présent dans une grande partie de sa filmographie, serait la recherche d'un refuge où vivre en dehors des agressions extérieures. Une volonté de retrouver un paradis perdu, un foyer, où l'on pourrait vivre en paix et renouer avec l'enfance. Nordstein a connu les bouleversements de la deuxième moitié du XXe siècle, les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide notamment. Dans La Renarde et le Lièvre, par exemple, le personnage principal se fait voler son foyer par une renarde. Toute l'histoire consistera à la récupérer sur un mode humoristique, en demandant aux autres animaux de l'aider. Un autre refuge est présent dans Le hérisson dans le brouillard. C'est celui de l'ours que le personnage espère retrouver de l'autre côté du brouillard. Il y a aussi le foyer que pourraient former le héron et la cigogne s'ils parvenaient à s'entendre et à former un vrai couple. Mais c'est dans Le Conte des Contes, son film le plus connu et le plus personnel, que cette dimension touche à son aboutissement. Ici, le refuge n'est plus un lieu à rejoindre ou à créer. Il est un espace perdu, un lieu vidé de ses habitants que seule l'imagination et le souvenir permettent d'atteindre. Le seul personnage qui parvient encore à habiter la maison d'enfance, symbole de ce refuge, est le petit loup gris, mais il ne fait que la hanter après la disparition de ses habitants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était enfant, les voisins de Nordstein ont reçu 8 avis de décès, et nous retrouvons une illustration de cet événement dans le film. Occupé à danser autour d'un lampadaire, des personnages se voient subitement effacés de l'espace du film. Les hommes passent entre les femmes, un fusil sur l'épaule. Elles recevront des lettres annonçant la mort de leur conjoint. Le thème musical du tango, que l'on entend lors de cette séquence, et qui saute à chaque disparition, fait pendant à celui de la berceuse qui débute le film. Tout au long de l'œuvre, les espaces-temps se succèdent lorsque se rejouent ces deux musiques. Le tango, qui est comme une berceuse de la mort, répète la séquence de la disparition, évocation du présent d'un univers en guerre ou vidé de ses personnages. La berceuse, quant à elle, fait apparaître un espace particulier, illuminé par un été indien où une petite fille joue avec un minotaure et où des personnages mangent et discutent autour d'une table. Le paradis perdu est évoqué à partir de l'image de la pomme rouge et jaune, qui fait penser au jeu de l'enfant qui s'imagine manger parmi les corbeaux. Le petit loup murmure à plusieurs reprises la berceuse, qui semble l'exact opposé du tango, signe d'un temps désarticulé. La rêverie de l'enfant sur le paradis, quand il mange parmi les oiseaux, se brise lorsque son père jette sa bouteille au sol. Le temps de la guerre est repris par l'apparition d'un tricorne sur le visage du père, que l'enfant arbore à sa suite. La volonté de domination entraîne la même envie chez les plus jeunes. L'enfant quitte le lieu enneigé, où il se croyait compris des corbeaux, pour rejoindre l'âge adulte et le temps de l'histoire. La pomme est à moitié mangée. Dans le plan suivant, la bouteille d'alcool est brisée. On pourrait croire qu'il s'agit d'un cocktail Molotov. C'est pourtant ce lieu de l'innocence que Nordstein cherche à réactiver dans ses films, comme il le dit lui-même. Modestement, je pense que si l'art doit avoir un but, c'est de rendre plus douce l'âme, parce que notre enfance est arrivée avec la fin de la guerre. Et que nous ne devons jamais oublier que le bonheur, c'est chaque jour de paix.
chaque jour. Le film essaie de remplacer la scène du bal par un lieu rassurant, où la berceuse pourrait se rejouer sans les sursauts incessants du tango. Le repas sous l'été indien semble être ce refuge onirique, mais les gens sont contraints de le quitter aussi. Au-delà de toutes ces références et des analyses que l'on pourrait encore faire, l'œuvre de Yuri Norstein possède un charme touchant. Elle recherche une forme de simplicité sensible et veut faire naître chez son spectateur l'impression d'un foyer retrouvé. Cette nostalgie est simple, directe, et le jeu des références ne fait que densifier une œuvre qui, sans en comprendre les enjeux, peut se regarder et s'apprécier naturellement. Depuis le début des années 1980, Norstein prépare un long métrage inspiré du manteau de Gogol. Et en 2013, le projet était toujours d'actualité. Il faut se représenter le temps passé sur chaque court-métrage. Chaque minute peut prendre un mois de tournage ou plus. Avec cette méthode de production, on comprend mieux le temps que peut encore prendre la réalisation du film. Il n'en reste que Le Manteau est un film très attendu par les amateurs d'animation du monde entier, et qu'on espère le voir sortir un jour sur nos écrans. En attendant, il faudrait que l'œuvre de Norstein se fasse plus accessible en France. Un seul DVD est sorti pour l'instant, en 2004, mais il est devenu très difficile de se le procurer. Thank you.